2023, ça fera 10 ans qu'une loi sur la protection des données à caractère personnel a été prise en Côte d'Ivoire. C'est une loi que nous considérons fondamentale parce qu'elle intervient dans beaucoup de domaines, dans la vidéosurveillance, dans la biométrie, dans l'éducation nationale, dans bien de domaines, sur Internet, les commerces en ligne, dans la digitalisation de tout ce qui se fait au niveau de l'État. Nous voulons faire le bilan de cette loi. Donc, c'est important de dire aux populations que vos données qui sont collectées, votre nom, vos prénoms, vos plaques d'immatriculation, le numéro de vos cartes bancaires lorsque vous faites des transactions, aujourd'hui est protégée par une loi. Donc, est-ce que vous avez l'information? Si oui, est-ce que vous savez ce que ceux qui collectent ces données que vous leur donnez doivent faire pour protéger vos libertés et votre vie privée? Première édition, il y aura des experts qui vont venir d'Europe, de la sous-région, qui vont venir de la Côte d'Ivoire également. Le rédacteur même de la loi ivoirienne sera là et sera partie prenante à l'événement pour donner des informations capitales aux citoyens sur leurs droits par rapport à cette loi, pour encourager les pouvoirs publics. Pendant que nous sommes en train de faire la digitalisation des services de l'État, à se mettre en conformité. Et puis, également, grâce au partage d'expérience des personnes qui viendront en Europe, comment est-ce qu'ils réussissent là-bas à pouvoir mettre en conformité les entreprises? Les objectifs vraiment de ce salon, c'est d'abord, un, sensibiliser pour que les gens connaissent beaucoup plus la loi. Deux, informer sur les droits des citoyens. Trois, encourager les responsables de traitement, notamment les entreprises, à se mettre en conformité. Et puis quatre, encourager les pouvoirs publics à faire en sorte que la loi soit plus connue et soit plus respectée en adoptant les meilleures pratiques de l'Europe qui est aujourd'hui à la pointe de tout ce qui concerne la protection des données à caractère personnel.